Salut à tous. Alors, prochaine saison Siri Racing, ben je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses à nous mettre sous la dent. Donc, quand je regarde ici, Whopping Six, donc il y aura 6 nouvelles voitures. Deux nouveaux circuits, donc ça c'est de l'Oval. Winton Motor Raceway, ça, je ne sais pas, ça me dit rien du tout, donc je suppose que c'est de l'Oval aussi. Et du nouveau contenu dans l'IA, ok. New Damage Model, ok. Amélioration du netcode. Le système de le type de pneus multiples, donc soft, hard, etc. Ah, alors apparemment, ils ont appliqué de nouvelles connaissances en aérodynamique et en pneus sur les GT3. Donc ça risque d'être très intéressant. Ça risque d'être très intéressant et je pense qu'il va falloir que j'aille un peu voir dans mes datas ce que ça donne. Donc il pourrait être intéressant de peut-être vite faire quelques tests avec la BM avant et après l'update, histoire de voir un petit peu ce que ça donne. NASCAR Camping World Trucks, ouais, ok. D'accord, alors donc, on a une Aston Martin Vantage GT4, ça c'est très très bien. Hyundai Veloster, alors est-ce que c'est une voiture pour allez, le rallye là enfin, vous voyez ce que je veux dire là le rallye cross. Ou alors est-ce que c'est une TCR? Pas, je Veloster, bon, étant donné qu'il y a déjà une Hyundai en TCR, je suppose que ça va être pour le rallye cross. Alors, une Formula IR04, je sais pas trop à quoi ça va ressembler. La Buick en NASCAR de 1987, ça va être intéressant. Alors, Stock Car Pro Series. Toyota Corolla, Chevrolet Cruze. Alors moi quand je voyais Stock Car Pro, ben, je me disais, bon ben voilà, c'est encore des trucs qui vont avoir avec l'Oval. Et quand je vois Toyota Corolla et Chevrolet Cruze, j'ai des doutes. Alors là je vous avoue, j'ai aucune idée de ce que ça va être et je suis très curieux de voir ça. Donc ici on a les deux circuits qui vont apparaître. Donc amélioration du netcode. Oui, les types de pneus. Ah, apparemment, il y aura une mise à jour plus quelques ajouts dans les informations du spotter pour la console, pour les pneus et pour les pitbox. Mise à jour des GT3, aérodynamique et pneus. Ouais, donc ça c'est NASCAR, New Damage Model. Ok. L'IA. Ah, ils ont rajouté l'IA pour Monza, Circuit Villeneuve, Silverstone, Suzuka. Winton
Sprinter Motor Raceway. À mon avis, ça c'est un qui va être Oval et Road, je pense, à mon avis. Donc très très intéressant, très 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 intéressant cette nouvelle saison. Alors si tu indiquer. Ok, d'accord. Donc en fait, oui, dans les détails des championnats, ils vont préciser si c'est avec choix multiple des pneus ou pas. L'IA, perso, on s'en fout un peu. Enfin, moi, perso, je m'en fous un peu. Ouais, ok, bon, ça c'est des détails. Paint shop, ça c'est du détail. Réalité virtuelle, ça j'utilise pas. License class. Ouais, ok, donc ça c'est du bug. Ouais, bon, apparemment ils sont en train de bosser un petit peu sur la stabilité des serveurs, hein. C'est vrai qu'on a eu pas mal de soucis ces derniers temps. Donc ça c'est une bonne chose. Donc netcode, extrapolation et probabilité, ok, d'accord. Ok. Ok, ouais, donc ils vont essayer d'un petit peu améliorer la précision dans les blocs de contact et éviter les problèmes de netcode. Ça c'est une bonne chose. Sporting code, qu'est-ce qu'il y a comme nouvelle amélioration? Qualifying conduct scrutiny. Je serais curieux d'aller voir ça. Formation, d'accord. Acceptable driving. D'accord. Tout ça, c'est team code, ouais. Un de bien. Aucune révolution à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on peut encore voir? Alors, all tire reaction. Ah ouais, d'accord. Easy wall climbing. Ouais, il parle des murs en ovale, ça je suppose. Donc ça nous concerne pas tellement. New damage model. Detect hyper-extended wheels. Ouais, d'accord. Alors rendering, ouais, donc ça c'est du graphisme. Les effets visuels. D'accord. Interface, on s'en fout. Spotter. Ok. Donc ouais, comme je disais, Spotter va nous donner plus d'infos sur tout ce qui concerne le fuel, les pneus et quelques infos pour nous aider à trouver notre pit. Nouveau langage. Ok. Troll.
Alors, New Telemetry Session String Weekend Info Track Length Official. Pourquoi pas? Alors, spectateur now to come automatically during session use applicable setups, ok. Alors. Certaines mises à jour de véhicules ont été faites à toutes les voitures de la classe basée sur la mise à jour des informations du monde réel et le dernier changement en IMSA. Ces changements incluent incluent les ajustements suivants. Ok, donc propriété des pneus et paramètres. Ah, ils ont modifié la largeur des pneus à l'avant. Minimum cold tire pressure have been increased to 24 PSI. Oh, ben c'est pas vrai quoi. Ils sont déjà trop hauts. C'est pas possible, mais qu'est-ce qu'ils font? On va se retrouver avec des pierres à la place des pneus. High Detailed Aerodynamic Model Update. Ok, d'accord. D'accord, donc grosse mise à jour sur le modèle aérodynamique. Et donc, il y a des nouvelles capacités de carburant, des nouveaux taux de remplissage. Donc le nombre de litres par seconde. Je sais que là maintenant, on tournait aux alentours de 3 litres à la seconde. Fuel cell size. Ça par contre, je vous dis de ce que c'est. Differential adjustability has been increased to increase dates which may be set to air. Ah, ok. Donc maintenant, en plus du preload, on pourra modifier la quantité de de plaques d'embrayage, je sais plus comment on appelle ça, dans le différentiel. Ça modifie la force générée dans le différentiel. Suspension spring and anti-roll ranges have been modified to reflect the platform compliant by. Ok, bah, génial, je vais pouvoir commencer tous mes fichiers, tous mes paramètres. Donc, ils ont modifié les ressorts et les barres anti-roulis. D'accord. Ok, donc il va y avoir quelques retouches de la BOP, en espérant que ce soit pas trop merdique au départ. On two adjustment range is now correctly limited between. Ok, donc la pince à l'avant sera de plus ou moins 10 mm. Garage tooltip scenario. Quelques date, oui, bien sûr. Alors, oui, bien sûr, les setups seront mis à jour. Alors, en GT4, ici, pareil, le débit de remplissage du carburant sera mis à jour. Les setups aussi. NASCAR, on s'en fout. NASCAR, on s'en fout. NASCAR, on s'en fout. NASCAR. Alors, Touring Car. Ok, mise à jour des propriétés, des paramètres des pneus, modèle aérodynamique. Nouvelle possibilité de réglage du carrossage, nouveau son de turbo, mise à jour des setups. Alors, donc ça c'est un peu la description
de la nouvelle Aston Martin Vantage GT4. Alors, Audi R8 LMS, paramètres des pneus, d'accord. Paramètres aérodynamiques, ok. Ah, ils ont légèrement modifié les masses et donc de fait les propriétés d'inertie de la voiture. Alors, la M4 GT3, nouveau pneu, enfin nouveau paramètre de pneu, nouveau paramètre aérodynamique. Et ils ont modifié la priorité des miroirs. Ok, ça c'est pas mal, je pense. La M4 GT4, Variety of Vehicle Update has been completed, including. Ok, les paramètres de la suspension avant mis à jour. Paramètres des amortisseurs mis à jour. ABS mis à jour. Balance aérodynamique retravaillée. Et ouais, ok, ils ont retouché un petit peu le damage model, d'accord. L'AMW GTE. Ah, ils ont rajouté un petit peu d'appui aéro. Cadillac CTS, ça c'est nouveau setup. Un petit peu moins d'appui aéro sur la C8R GTE. Bonjour, Dallara F3, tailleur modèle. Nouveau modèle de pneus et propriétés pour la Dallara F3. La traînée. Ils ont diminué la traînée aérodynamique. Ici, c'est les setups. Alors, the clutch no longer disengage the engine while driving at high speed. Ah! Alors, ici, aïe, 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 aïe. Alors, pour ceux qui font du fuel saving avec l'embrayage, eh ben, il va falloir que vous trouviez une autre technique. Parce que, justement, pour éviter justement cette technique qui n'est absolument pas utilisée en réel, je pense, non, je ne crois pas, je ne crois pas. Ce serait d'ailleurs dangereux, je pense. L'embrayage ne désengage plus le moteur quand on roule à haute vitesse. Donc, inutile d'embrayer pour essayer d'économiser du carburant quand vous êtes à la speed de quelqu'un, ça n'aura aucun effet. Alors, la Ferrari GT3 Evo, mise à jour des pneus, mise à jour de l'aéro, la Ferrari GTE. Lost its pedal, ça c'est probablement un problème graphique. La WRC, bon, je fais pas de WRC. La Ford GT, GT2, GT3. Paramètres des pneus, paramètres aérodynamiques mis à jour. High speed dumping rates. Improve the handling on rough surface and curb strikes. Ok, donc ils ont ajusté les taux d'amortissement. À haute vitesse. Et ils ont modifié les barres anti-roulis avant et arrière, qui ont maintenant 10 possibilités de réglage. Alors, la Ford Mustang FR500 RS, nouveau pneu. Ok, donc ils ont modifié légèrement la suspension. Pour éviter que la roue intérieure arrière se lève, donc décolle du sol. Nouveau setup, Formule 2.0, nouveau setup, 3.5, nouveau setup. Backfire logic audiovisuel, ouais, ok, ça c'est du kitsch. Rev limiteur et ignition cut backfire, ok. Alors, la Civic Type R, aérodynamique et paramètres. Ah, aérodynamique, brake system, ok, c'est à jour de tout ça. Préload du différentiel. Ah, on peut maintenant régler la précharge du différentiel.
dans le garage. ils ont amélioré le cockpit pour avoir un meilleur framerate, plus de FPS. Ils ont un peu modifié les sons de la décharge du turbo. Et légèrement réglé un problème mineur sur la sensibilité de l'aileron arrière. Alors sur la Hyundai, Engine Power and Aerodynamic Drag. Ok, donc en fait pour améliorer un petit peu la balance, donc la BOP, la balance de performance en touring car, ils ont modifié donc la puissance du moteur et la traînée aérodynamique sur la Hyundai. Ils ont également changé la masse, les propriétés de masse et donc d'inertie de la voiture. Peak brake pedal force used to allow modulation range. Ok, donc il y aura un petit peu moins de puissance de frein pour pouvoir améliorer, on va dire, le trail braking. Maximum launch RPM, standing start. Ok, donc le régime moteur maximum pour les départs arrêtés a été augmenté. Net matériel graphique. Ok, ça c'est du bug. Ok, apparemment ils ont créé réglé un problème de déséquilibre entre avec les caractéristiques de refroidissement des disques de frein avant et arrière. Alors, New Car Veloster. Ah ben voilà, la réponse à ma question. La Veloster, ce sera une Touring Car. Donc, une nouvelle TCR. Ça va faire maintenant 4 TCR. Et ouais, donc l'IR 04. Alors, ici, alors Lamborghini, Macan. Pneus, le voile aérodynamique, ici c'est setup, brake bias made just. Ah, donc ok, donc sur la Lotus 79, on peut modifier brake bias même dans des courses à setup fixe. Ça c'est pas, alors la McLaren GT4, mise à jour de l'ABS. Mise à jour du damage model. Ok, donc il y a apparemment un nouveau skin. La McLaren GT3, nouveau pneu, nouvelle aérodynamique. Et retouche des barres anti-roulis avec maintenant 10 possibilités de réglage. Alors, la F1, la Mercedes F1. Ok, donc ils ont modifié les pertes de performance en rapport avec l'aileron avant. Ok, ouais, donc ça c'est... Suspension travel, ouais. Ça c'est graphique. Alors la Mercedes GT3, nouveau pneu, nouvelle aérodynamique. Ok, alors maintenant, sur la Mercedes GT3, jusqu'à maintenant, on avait trois profils, si je me souviens bien, on avait trois profils possibles de réglage pour les ressorts. Maintenant, chaque ressort est réglable indépendamment. Et une étendue plus grande. Donc ça se rapproche maintenant des autres voitures. Bon ben heureusement j'avais pas encore fait les paramètres pour la Mercedes, sinon j'aurais pu tout recommencer. Bump rubber option have been removed. Ok. Front tender different slightly. Ok, ils ont durci
les barres anti-roulis, c'est des effets audio et vidéo. Hop. Qu'est-ce qu'on a encore? La Porsche GT4. Ouais, ils ont un peu modifié les performances pour en termes de balance de performance. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, ça permettra peut-être d'autres bagnoles d'être un peu plus présentes. Que ce soit un petit peu moins la Porsche Cup. D'ailleurs, en parlant de Porsche Cup, rien de neuf à part les setups. La GT3, nouveaux pneus, nouvelle aérodynamique. Et ils ont modifié les barres anti-roulis pour mieux coller à la aux paramètres du véhicule réel. Donc il va falloir que je j'aille revoir ça. Driver now always. Helmet type. Ah, ok. La Porsche 911 RSR, donc la GTE. Ouais, l'aérodynamique. Attends, aérodynamique downforce. Okay, ils ont diminué l'appui aéro et ils ont rajouté 10 kg. Les nouveaux setups aussi, bien sûr. La Spec Racer Ford. C'est du kitsch. Skip Barber. Ça, c'est du kitsch. Setup. Delic. Kitsch. TF1, on s'en fout un peu. Et puis, de toute façon, que du kitsch. Qu'est-ce qu'on a ici? Un Vandal Stone Speed Limit Sign. Qu'est-ce qu'il raconte? Un vandale a volé le panneau de la vitesse limite à l'entrée des pit lanes. Mais c'est pas de problème étant donné qu'ils sont devenus obsolètes. C'est quoi cet enroule? Un vandale. Il y a des voleurs dans e-racing. Excellent. Alors, fixing the issue where some pit area environ. Ok. Monza. Track limit update. Ok. Ok. Du graphique. Ça, c'est l'IA. IA. DRS zone. Ouais, bon, le reste, c'est principalement soit de l'ajout d'IA ou des corrections de bugs mineurs. Peu de choses près, c'est à peu près partout sur tous les circuits. Ah ouais, donc en fait c'est pas un ovale, c'est un circuit road ouvert en 1961. C'est un circuit australien apparemment. Je ne connais absolument pas. Ça risque d'être sympa. Donc voilà, ben comme vous pouvez le voir, grosse mise à jour. Ça va me donner pour ma part beaucoup de boulot parce que je vais devoir revoir un petit peu tous mes paramètres que j'ai fait. Donc il va falloir un petit peu patienter, hein, les gars.
Je vais me pencher là-dessus rapidement. Mais bon, voilà, comme je l'avais déjà signalé, c'est entre 2 et 4 heures de boulot par bagnole. Il va falloir un peu patienter. Mais je vous tiendrai informé quoi qu'il arrive. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite ici bonne fin de week-end. Je vais uploader la vidéo aujourd'hui. À la prochaine. Ciao, ciao!